Lukaku. Oh là là. On la frappe maintenant. Oh, quel but de Vinicius. Vous avez un bon. Ça va quand même. Classe mondiale, s'il vous plaît. Cet homme est une machine. De Bruyne, la voilà, tiens. C'est bon pour toi. Monstrueux. C'est pour ça qu'on joue la Champions League, c'est ces matchs-là qu'on aime, qu'on veut jouer, ces matchs où il faut montrer de la personnalité. Bonjour à tous, quatrième saison déjà du Champions Club. Très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison qui, on l'espère, sera particulièrement passionnante. Nouveau générique, nouvel habillage. Par contre, on ne change pas d'équipe. Alex Teclac est toujours là. Salut Alex. Salut Mathieu. Et salut, Jonathan Lange, bien sûr, qui est toujours là, lui aussi. Jonathan, on rappelle que tu es rédacteur en chef du cahier sport de la DH. On est parti donc pour une dernière saison traditionnelle, à l'ancienne, avant une nouvelle mouture l'année prochaine. Profitons-en, parce que je pense que ce sont les mêmes créateurs de notre formule de play-off alambiquée qui ont réussi à nous pondre cette usine à gaz que sera la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc voilà, on aura le temps, je pense, d'y revenir et de la détailler en long, en large et en travers. Donc profitons-en, c'est vraiment le mot d'ordre. Déjà un peu nostalgique, toi aussi Alex ? Ouais, inquiet par rapport à quand on voit l'évolution du mondial et de la Coupe du Monde et du Championnat d'Europe avec le nombre d'équipes croissant. Ça n'a pas amélioré le niveau, les premiers matchs en tout cas, donc un petit peu préoccupé quoi. Mais c'est pas grave, c'est la dernière année en fait et c'est pour ça que l'Atlético va remporter la Ligue des Champions. On le note, l'Atlético Madrid, donc on est le mardi 19 septembre pour la première journée. Donc l'Atlético qui est déjà donc le futur vainqueur selon Alex Teclac. Il faut oser dans la vie. Hein. Alors parfois on se plante comme l'année dernière, mais peut-être que ça sera la bonne pour toi. On verra ce que ça donnera. Ton favori à toi ? Ouais, je vote encore pour le Paris Saint-Germain, ça va bien finir par passer. Hein. On verra ce que ça donnera. On va en parler d'ailleurs du Paris Saint-Germain d'ici quelques instants parce qu'on a un beau programme qui nous attend tout au long de cette semaine. Mardi, mercredi, évidemment, rendez-vous avec le Multilive dès 20h15. Il y a déjà des matchs à 18h35. AC Milan, Newcastle, les retrouvailles pour Tonali. Et puis, Barcelone, Antwerp, on aura la chance d'être en Catalogne mardi soir, Alex Teclac. Et puis, Kalilou Fadiga et Quentin Volvert seront au Paris Saint-Germain face à Dortmund. Mercredi aussi, des beaux matchs. Bayern Munich, Manchester United. Et là aussi, on sera en Bavière, on a beaucoup de chance. On croisera peut-être la route d'Alexis Menuge, qui est notre invité d'ici quelques instants. Et puis Arsenal PSV aussi est à suivre en compagnie de Kalilou Fadiga et Quentin Volvert. Bon, la Ligue des Champions qui a changé, quoi qu'il arrive, puisque des légendes du football ont quitté notre continent. C'est vrai que le temps file, hein, très clairement. C'est aussi dans ces cas-là qu'on se rend compte qu'on vieillit. Il n'y a plus de Messi, il n'y a plus de Benzema, il n'y a plus de Neymar. Parmi ces trois grands, j'imagine que celui qui vous manquera le plus, c'est l'Argentin. Oui, bon, enfin d'autres aussi. Hein. Je pense à un exode, surtout global, quoi, auquel on est confronté. Donc c'est plus ça qui est marquant dans ce qui s'est produit au-delà du départ de Messi en MLS. Ouais. Bon, vous avez déjà suivi des rencontres là-bas du championnat d'Arabie Saoudite ? Non, je n'ai pas eu ce plaisir en tout cas. Pas vraiment intéressé, visiblement. Non, pas vraiment emballé, mais c'est vrai que cette dynamique globale qui s'est enclenchée, elle attire des joueurs plus en fin de carrière. Mais quand on pense à quelqu'un comme Sekou Fofana, qui a rejoint l'Arabie Saoudite et qui manque déjà énormément à Lens, qui aurait pu découvrir à 28 ans enfin la Ligue des Champions, on ne peut pas s'interdire de penser que voilà, il y a quand même quelque chose qui nous chagrine. Mais bon, il veut mettre sa famille à l'abri, donc on peut le comprendre. Dans footballeur professionnel, il y a professionnel aussi. Donc il y a cette dimension économique qui entre en ligne de compte. Et là-dessus, on ne peut pas non plus le blâmer. À ce sujet, moi, j'ai beaucoup apprécié les propos de Bakayoko, à notre Diable Rouge, qui pouvait partir en Angleterre et qui a très clairement annoncé à la télévision néerlandaise « Non, non, moi, je veux rester au PSV absolument pour découvrir la Ligue des Champions. » C'est tout à son honneur. Un invité aussi avec nous aujourd'hui, il est le spécialiste du football allemand, c'est Alexis Menuge. Salut Alexis, en forme pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions ? Bonjour messieurs, on a cette saison 4 clubs allemands et vous avez parlé de l'Atlético, du PSG comme vos favoris pour le triomphe à Wembley. Moi je parlerai du RB Leipzig. Ah, c'est intéressant, le Leipzig d'Openda d'ailleurs, côté belge, pour nous ça nous intéresse. Bon, oui, on va voir ce que ça va donner.
Ah ouais, non, qui peut créer la surprise. Alors aller au bout, ça me paraît quand même assez difficile, mais dans le dernier carré, c'est jouable. On va voir ce que ça va donner. Mais Alexis, vous restez avec nous parce que d'ici quelques instants, on va parler évidemment de l'Antwerp. Et si vous restez avec nous, c'est parce que vous connaissez très très bien Marc Van Bommel, évidemment, via son passage par l'Allemagne. Allez, c'est parti pour notre séquence consacrée à l'Antwerp. Il y avait la séquence Blauenzwart les dernières années, hein, nos suites, nos glories. Et bien cette année-ci, place à une nouvelle séquence puisqu'on a un nouveau champion de Belgique. Le Great Old. Et donc place à un septième club belge à participer à cette Ligue des Champions moderne. Hein, l'Antwerp qui rejoint par exemple l'IRSE, le Standard, parmi les clubs la Gantoise qui ont participé au moins une fois à la Ligue des Champions. Et l'Antwerp qui va se farcir le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui a gagné le week-end dernier et ce de la plus belle des manières. Hein, une véritable manita infligée au Real Betis 5-0 pour les hommes de Xabi. Quelle ambition pour l'Antwerp en sachant bah oui, que clairement c'est un duel qui sur le papier paraît disproportionné. Passer l'hiver, tout simplement. Je pense qu'avec le Barça, il n'y a pas photo. Le Barça a énormément de choses à se faire pardonner aussi. C'est une équipe qui n'était pas sortie de son groupe l'année dernière en Ligue des Champions et qui doit maintenant retrouver un petit peu de sa splendeur sur la scène européenne. Et donc derrière, il y a Porto. On a vu l'année dernière ce que pouvait donner Porto. On se souvient que Bruges, on a mis 4 à Porto, mais on a pris 4 à la maison. Ouais, parce qu'il y avait un joueur qui était là au match retour, mais qui n'était pas là au match aller et qui est resté alors que c'était une vraie saga ce qui s'est passé autour de lui. C'est Medhi Taremi, 31 buts quand même la saison dernière. Donc voilà, je pense que l'Antwerp doit matcher avec le Shakhtar Donetsk pour passer l'hiver et être versé en Europa League. Oui, par rapport à ce match du côté de Montjuïc, hein, puisque évidemment on jouera au stade olympique et pas au Camp Nou pour les raisons que l'on connaît. Quand on voit ce qui s'est produit ce week-end, on rappelle tout de même que João Félix a débarqué, l'homme du match d'ailleurs, très très bon vraiment dans cette rencontre face au Verdi Blancos de Pellegrini. Il y a du danger qui est venu de partout. On n'oublie pas la pépite Lamal aussi. Honnêtement, il faudra se lever tôt pour prendre au moins un point. Ouais, pour l'Antwerp, c'est sûr. Après, les résultats du Barça étaient bons, mais la manière n'y était pas. Ils ont été fort critiqués jusqu'à présent. Ils avaient entamé leur saison avec un nul. Et ensuite, des victoires, mais qui n'étaient pas très convaincantes. Il y avait un joueur qui ressortait du lot de Yamal, effectivement, et de Young, qui faisait vraiment l'appui et le beau temps. Et en l'absence de Pedri, ce n'est pas tout à fait le même Barça non plus. Maintenant, bien sûr que face à l'Antwerp, c'est au-dessus, c'est clair. Dire, on fonce une porte ouverte en le disant. C'est clairement le au-dessus. Barça, visiblement intéressé par Vermeeren. On sait que c'est Oriol Romeu qui joue désormais dans le milieu de terrain, un vieux briscard. Mm-hmm. Et visiblement, eh bien, le Barça aurait jeté son dévolu sur notre international U21. Vous l'avez encore vu à l'œuvre la semaine dernière avec la formation de Gilles Swerts. Ouais, il a été super. On a revu quelques extraits là, de la rencontre face à l'AEK Athènes. Pour un garçon de son âge, il est particulièrement impressionnant. Ouais, c'est ça qui est vraiment remarquable chez lui, c'est qu'on dans ses prises d'initiative, son calme, sa sérénité, il ne fait pas son âge, effectivement. Et puis il y a la doublette avec Keita aussi, parce que lui non plus, il ne fait pas son âge. Non, ils fonctionnent bien ensemble. D'ailleurs, en U21, Swerts les a reconduits tous les deux, sans doute parce que voilà, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Mais c'est deux profils vraiment très complémentaires et très différents à la fois. Je trouve que Vermeeren, il a cette qualité en plus de le sens du jeu et le côté entreprenant sur le terrain. À son âge, c'est vraiment très rare de voir ça. Et je pense que cette personnalité qu'il affiche est attractive pour un club comme le Barça, mais pour d'autres clubs aussi. C'est peut-être une marche un peu trop haute aujourd'hui. Il a le niveau là pour le Barça, Vermeeren. Ouais, il doit passer par des étapes intermédiaires. Et les premières étapes, c'est d'abord de confirmer avec l'Antwerp. Mais de à long terme. Franchement, quand vous voyez parfois certaines trajectoires, celle de Doku, vous auriez cru qu'il allait se retrouver à City si vite. Ah ben voilà. Ouais, mais c'est encore différent parce que autant Doku, c'est un dribbleur, c'est quelqu'un qui est dans la percussion. Vermeeeren, c'est plus un joueur de passe. Mais il ressemble. On sent qu'il a ce QI football quand même au-dessus de la moyenne et on se dit que à chaque fois, il arrivera à hisser son niveau de jeu en fonction des joueurs qui vont l'entourer. Mmh. En fait. Donc Vermeeren, il a le niveau du Barça. Il a le style en tout cas. Moi, il a le style. Moi, ça me choquerait pas qu'il arrive en tant que joueur de complément. Il pourrait jouer un petit rôle dans la rotation, mais pour lui, dans son développement personnel, il a tout intérêt à jouer à son âge et à passer par des étapes intermédiaires. Et découvrir donc la Ligue des Champions, une Ligue des Champions que son directeur sportif, Marc Overmars, évidemment connaît bien, lui qui l'a joué avec le FC Barcelone, et son entraîneur, Marc Van Bommel.
Baumel, lui aussi passé par le Barça. Ça sera un match particulièrement spécial pour ces deux hommes-là. Et Alexis, justement, toi, à travers ta longue carrière, tu as eu l'occasion de croiser la route à nombreuses reprises de Marc Van Baumel. Quelle est ton impression aujourd'hui sur son parcours? Il a fait peut-être un pas de côté en venant en Belgique, mais regarde, il est de retour là en Ligue des Champions et c'est plutôt pas mal hein, ce qu'il est parvenu à faire avec l'Antwerp, le doublé, on le rappelle, champion avec le matricule 1 et aussi vainqueur de la Coupe de Belgique. C'est important pour lui de rebondir parce qu'il avait quand même connu un échec assez cuisant en Allemagne du côté du VfL Wolfsburg. C'est sa première grosse expérience. Déjà que ce n'était pas très bien terminé au PSV Eindhoven juste avant. Et lui, c'est un passionné de football. Il le vit 24 heures sur 24. Je me rappelle de discussions qu'on avait pu avoir. Il connaissait tout de la première, deuxième, troisième division allemande, mais aussi française. Il connaissait déjà très bien le football belge. Et le voir aussi bien travailler et avoir de tels résultats à l'Antwerp, c'est vraiment intéressant. Et franchement, quand je vois le groupe de Royal, je pense que Royal peut faire aussi bien que le FC Bruges la saison dernière, essayer de venir deuxième du groupe et aller en huitième de finale, parce que Porto et Donetsk, franchement, c'est jouable. Voilà un discours qu'on aime bien. Merci Alexis Menuge. On sait pourquoi tu fais partie de notre équipe. Hein. Plus que jamais, le positivisme est de mise et c'est très bien ainsi. Bon, on avait aussi parlé de l'Arabie Saoudite pour Van Baumel. Finalement, il est toujours là. Ouais, il est toujours là. On a parlé de la piste qui le menait à Al-Shabaab. Et c'est vrai qu'il est resté pour retrouver aussi une Ligue des Champions où il a des choses à se faire pardonner. Alexis parlait pour lui d'une opération reconquête. Il faut qu'il se relance. Van Baumel en Ligue des Champions, pour l'instant, il n'a pas gagné un match. En phase de groupe, en tout cas. Donc voilà, il a quand même là-dessus quelque chose à prouver à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on parle de son passage à Barcelone. On se dit, oui, c'est un petit peu mitigé. Mais à l'époque, il avait gagné la Ligue des Champions. Mmh. Il avait été titulaire en finale en 2005-2006. C'est la finale qui se jouait au Stade de France, si je ne dis pas de bêtises, contre Arsenal, ouais. Mmh. Avec la sortie très rapide de Robert Pires. Et il était titulaire parce que Xavi était blessé. Donc voilà, il va retrouver Xavi, il va retrouver aussi Deco qui est aussi dans le staff dirigeant barcelonais et le président Laporta. Donc voilà, c'est un match riche en émotions qui, malheureusement pour lui, ne se jouera pas au Camp Nou. Ça, c'est un petit peu pour le côté dommage de la chose. Bon, à l'Antwerp, tout le monde est présent, un effectif au complet. Quoique, attention, vous avez suivi ce qui s'est passé avec cette erreur administrative qui, quand même, fait débat, fait tâche, très clairement. Donc, on a oublié, visiblement, du côté de l'Antwerp, d'inscrire le nom de Vines sur la liste européenne. À la place, figuraient notamment Dorian De Soleil et Björn Engels, qui n'ont plus voix au chapitre du côté de l'Antwerp. Franchement, ça fait tâche parce que Vines, il pouvait rendre pas mal de services sur le côté gauche. Je me mets à la place du garçon ou de la dame, je ne sais pas en tout cas qui a dû remplir l'affiche en question. Van Baumel, fou furieux, on peut le comprendre. Non, on peut le comprendre. En tout cas, ça nous a permis de nous souvenir que Dorian De Soleil était toujours sous contrat avec l'Antwerp. Bon, j'espère pour Dorian De Soleil qu'il va toucher la prime, hein, parce que s'il fait partie de la sélection, on peut compter sur Raphaël Cabarrot, son manager, pour négocier tout cela. Ouais, c'est quand même un peu dommage. On sait que l'Antwerp a grandi très très vite, mais là pour le coup ça fait un peu amateur. Ouais, c'est vrai, c'est déjà arrivé à d'autres grands clubs aussi hein, de faire des erreurs comme celle-là, mais ici, pour une première participation, c'est quand même, et en plus que tu as besoin de ton effectif au complet et que tu alignes, enfin que tu mets dans la liste un mec sur lequel tu comptes plus du tout, certes gaucher, c'est le seul point commun qu'il aura avec Vines, c'est quand même un peu bizarre. Après, je sais pas si les autres équipes vont se formaliser par rapport à ça, je crois pas, mais pour nous c'est très étrange et je peux comprendre Van Baumel, en effet, c'est vraiment... Voilà, mais oui, celui à qui incombe la faute, en effet, il peut être au minimum blâmé, parce que c'est une erreur quand même très grave. Bon, l'immanquable du mardi, on l'a bien compris, l'Antwerp face au FC Barcelone, l'immanquable de cette semaine en général, eh bien, on aura droit à une équipe allemande qui se déplace du côté de la France, le PSG face à Dortmund. L'immanquable. Les deux équipes qui se recroisent, on se souvient de ce match qui avait lieu à la fin de l'hiver 2020, hein, dans des conditions assez exceptionnelles, totalement inattendues, un stade vide au Parc des Princes, sauf que tout le public était à l'extérieur. Et là, c'était juste avant le confinement, c'était vraiment une période très très bizarre. Oui, entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de la Roure et de la Seine, d'ailleurs. Avec tout ça, il n'y a plus de Belges. Il n'y a plus de Belges à Dortmund. On a quand même envie d'avoir une explication. Alexis, si, il y a encore des Belges. Il y a encore Thomas Meunier, mais il n'est pas dans la sélection. Et puis Julien Duranville, qu'on connaît bien ici, notre jeune pépite qui est malheureusement trop régulièrement blessé.
Oui, pourtant on attend beaucoup de choses de lui après le départ de Jude Bellingham au Real Madrid. On estime au Borussia que durant lui, d'ici maximum 2-3 ans, c'est lui qui coûtera 100-150 millions d'euros. Ce sera le prochain gros transfert du BVB. Mais c'est vrai que cette saison, on a moins de Belges. Thomas Meunier, pour lui, c'est a priori terminé puisque Edin Terzic, l'entraîneur, ne compte pas du tout sur ses services. Alors on va voir si les Belges, sans ces Belges, pardon, le Borussia est capable de passer l'hiver. Moi, je suis assez sceptique. Ouais, Duranville, il y a quand même régulièrement des blessures musculaires hein, le concernant. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être récurrent chez lui? S'inquiéter, oui et non. J'ai juste pas envie de revoir avec lui ce qu'on a connu en France avec Ousmane Dembélé, qui est aussi passé par Dortmund et qui maintenant est au Paris Saint-Germain, qui avait eu énormément de mal à s'adapter à d'autres méthodes de travail à Barcelone, avec des intensités d'entraînement qui étaient complètement différentes. Voilà, Duranville, c'est un joueur qui est explosif. Il joue sur sa vitesse, il joue sur sa force de percussion. Il va falloir trouver le bon dosage. C'est un joueur qui est très jeune aussi, donc il va falloir être patient pour trouver la clé. Ton point de vue par rapport à Duranville. Et n'oublions pas Meunier là qui finalement est resté sur un peu sur le carreau là sur la fin alors qu'il aurait pu peut-être être transféré. Moi je pense surtout que son contrat il s'est assis dessus et je peux le comprendre parce qu'il des offres il en a eu des belles offres. On avait parlé de Bruges. Ouais, on avait parlé notamment d'un retour à Bruges mais pas suffisamment Lille élevé. Aussi, hein, qui s'est positionné. Mais pas suffisamment élevé au niveau de son contrat. Il a vraiment un gros contrat sur lequel il s'est assis et voilà. On peut le comprendre. Par rapport à Duranville, je sais à quel point tu accordes de l'importance à la post-formation. Le fait d'être blessé ici dans un grand club comme celui-là, c'est quand même problématique. Oui, parce qu'en plus, les méthodes allemandes, elles sont particulières. Alexis ne dira pas l'inverse. C'est un jeu. Même les entraînements, c'est très intensif. Encore eu le témoignage d'un joueur qui est passé par là récemment. Et ça, c'est compliqué pour des joueurs comme ça de s'y adapter parce qu'il est très jeune. Déjà, à Anderlecht, il se blessait régulièrement, même chez les jeunes, Mathieu. Et il me fait parfois penser un peu en termes de musculature et des risques qu'il prend à Doku, qui a aussi eu pas mal de soucis lors de son passage, évidemment à Anderlecht, mais aussi en France. Il faut adapter vraiment les entraînements à des mecs comme ça et les temps de jeu, surtout parce que ce sont des gars qui sont à risque, effectivement. Maintenant, il y a des méthodes aussi d'anticipation, gainage, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails de préparation physique qui permettent d'éviter cela. Mais ce sont des joueurs qui sont toujours beaucoup plus à risque parce que ce sont des mecs qui développent une puissance énorme. Ils jouent là-dessus, Mathieu. Donc, il faut accepter aussi ce risque-là tant qu'il est contrôlé. Contrôler, mais comment va-t-on le contrôler chez un gamin qui c'est la foule qui va l'emporter. Donc, grand point d'interrogation quant à son adaptation physique, effectivement. Oui. Alex, on a eu la chance de commenter ensemble vendredi soir un super match entre le oui. Bayern Munich et Leverkusen. On aimerait bien avoir des nouvelles, par contre, de Dortmund. Alexis qui jouait face à Fribourg. Que faut-il retenir de cette rencontre à quelques heures maintenant de ce choc face au Paris Saint-Germain? Le Borussia s'est fait du bien avec cette victoire parce qu'elle intervenait après un début de saison très poussif, mais sur le plan du jeu, ça reste quand même très inquiétant parce que Dortmund s'est imposé dans le temps additionnel avec 2 buts à 11 contre 10. Et dans le jeu, franchement, c'est assez pauvre le Borussia. Et c'est vrai, costaud sur coup de pied arrêté. Mats Hummels a marqué 2 buts, mais par exemple, Sébastien Haller est transparent match après match. Et ça, c'est vraiment très inquiétant. Et du coup, on pourrait avoir la titularisation de Niklas Füllkrug qu'on avait découvert sur le plan international à la Coupe du Monde au Qatar, même s'il n'avait pas été très réussi par la Mannschaft, comme vous le savez. Mais beaucoup de questions, beaucoup de chantiers pour Edin Terzic, l'entraîneur allemand. Néanmoins, les joueurs du Borussia savent qu'ils auront de nombreux espaces demain soir et qu'ils peuvent peut-être créer la surprise face à un PSG qui n'est pas non plus encore au top. Oui, d'ici quelques instants, attention, petit teasing, on va avoir droit à un duel, hein, très clairement, le face-à-face entre Jonathan Lange et Alexis Clac pour savoir qui va remporter cette rencontre. Ne brûlez pas toutes vos cartes directement, messieurs. On va quand même revenir aussi sur le cas de Thorgan Hazard parce qu'au final, nous avons donc 15 ou 16 Belges dans cette Ligue des Champions, Jonathan. Non, sans Meunier, on est à 15. On est à 15 Belges. Il y a déjà eu des cuvées plus impressionnantes. Ouais, c'est clair, mais c'est vrai que c'est une nouvelle génération parce qu'en plus, dans cette cuvée-là, on ne va pas voir ni Kevin De Bruyne, ni Thibaut Courtois au moins avant les 8e de finale, voire plus tard pour Courtois. Donc voilà, c'est une nouvelle génération. On parle de Leandro Trossard, là on a parlé de Julien Duranville, qu'on va un petit peu attendre aussi, mais quelqu'un comme Jérémy Doku, dont Alex a déjà prononcé le nom, ou Johan Bakayoko aussi, voilà, on a hâte de voir à ce niveau-là. Bakayoko à Séville, en fait, c'est une transition qui est générationnelle aussi. Ouais. Et plus de Lukaku non plus, non. Hein, en Ligue des Champions, ça va faire un peu bizarre, il faut bien le dire. Oui, par rapport à Hazard, Alexis,
trop court, tout simplement, aujourd'hui, pour cet effectif du Dortmund, et donc cette logique quasi implacable de filer au Sporting d'Anderlecht. Il n'avait plus le niveau de la Bundesliga, ou en tout cas d'un club du top. Bah, Alex parlait tout à l'heure, de manière très précise, des entraînements très intenses en Bundesliga, et Thorgan Hazard, vous le savez, il a été quand même très souvent blessé ces dernières années. Et au bout d'un moment, Edin Terzic a quand même eu un certain ras-le-bol de voir son joueur soit blessé, soit en manque de régularité au niveau de ses matchs, de ses prestations. Donc on a tiré les conséquences déjà en le prêtant au PSV la saison dernière. Et cette saison, il est hors de question de le réintégrer et pour cette nouvelle saison. Donc c'est une triste fin pour lui, qui est quand même resté longtemps en Allemagne, notamment dans les deux Borussia. Mais il était hors de question, encore une fois, pour Terzic de compter sur Hazard cette saison. Mais c'est fou quand même, parce qu'on parlait de l'adaptation en Allemagne, et comme Alexis le disait, il n'est pas arrivé d'un championnat étranger pour signer en Allemagne. Quand il sort de Gladbach, il sort d'une saison à 10 buts et 11 passes décisives, ils investissent 25 millions d'euros sur lui. Sa première saison, elle est bonne à Dortmund, parce qu'il finit avec 13 passes décisives, c'est son meilleur total en carrière. Mais après, il est victime aussi de la concurrence. Et c'est là où on voit la différence entre un grand club et un très grand club. Ouais, parce que et ça, Thorgan n'a pas réussi à faire le switch. Ouais, quand on regarde les noms aujourd'hui, tu peux les citer. Ouais, sur les côtés, Adeyemi, Malen. Voilà, ben, à l'époque, ça commençait avec Marco Reus, qui était quand même. Qui était déjà là. C'est une icône. Qui joue plus. Sancho, qui était là-bas. Fait, Reina, ouais. Ou même Julian Brandt. Voilà, il y avait de la qualité aussi. Mais c'est vrai qu'on pouvait quand même s'attendre à mieux de la part de Thorgan, et excepté sa première saison qui a été bonne. Après, c'était nettement plus compliqué. Après, je pense que son destin un petit peu été, je sais pas, Alexis sera d'accord avec moi, mais un petit peu lié aussi à Lucien Favre, un peu quand même. Voilà, il a progressé énormément à Gladbach, et il en est toujours fan, et Thorgan Hazard le cite toujours comme référence. Ouais, ils sont toujours en contact. Hein. Tout à fait. Donc il y a peut-être un peu de ça aussi, mais effectivement, Alexis, c'est une raison très précise aussi pour laquelle ils en ont probablement eu moins. C'est ces blessures à répétition, oui. Oui, Alexis, il y avait pas suffisamment de connexion non plus avec le coach, comme tu viens de le dire. Donc voilà, finalement, une suite logique pour, j'allais dire Meunier, mais non, Hazard, de revenir en Belgique. Il a quand même ses têtes, c'est-à-dire qu'il a ses 12, 13, 14 joueurs sur lesquels il compte et les autres qu'il laisse de côté. Mmh. On voit que, comme le disait Alex, Marco Reus ne joue plus trop. Bon, c'est peut-être la saison de trop, justement, pour l'ancien international allemand. Donc, voilà, c'est fin de chapitre pour Hazard. Espérons pour lui qu'il passe une belle saison du côté d'Anderlecht. Bon, Alexis, est-ce que tu as un sifflet pour départager les deux joueurs? Ça va J'espère pas être difficile. Oui, hein. Tu peux encore en trouver un. Je te laisse 2 minutes, un peu moins, pour trouver le sifflet, ou en tout cas trouver un moyen de départager les deux hommes. Donc, un, choisis ton camp particulièrement spécial entre le PSG et Dortmund. Choisis ton camp. Bon, dans ces cas-là, j'ai envie de dire honneur à l'équipe qui, a priori, n'est pas la favorite. Le PSG face à Dortmund, moi, je vais quand même laisser la possibilité à Alex Teclac de défendre. Mais je suis foutu avant de commencer. Alors non, mais les arguments en leur faveur, c'est évidemment leur trio offensif. Effectivement, bon, sans doute en ce qui concerne Malen, parce que ça va très vite, et Adeyemi possède aussi de la vitesse, de la technique en mouvement. C'est un mec qui pourrait vraiment enrhumer les arrières latéraux du PSG, qui ont connu pas mal de difficultés d'ailleurs dans les situations de transition face à Nice ce week-end. Une équipe bien organisée. Je pense que Dortmund, s'il se bat sur cette organisation, pardon, l'optimisation de leur phase arrêtée, là où ils ont été bons ce week-end aussi, ils ont mis un doublé grâce à Hummels, entre autres, et qui est toujours très bon sur phase arrêtée, ce joueur-là. Je pense que c'est vraiment un des points faibles du PSG, sachant aussi que Donnarumma est vraiment pas au mieux. On l'a encore vu sur une de ses relances en début de match face à Nice, où ça lui a posé de gros problèmes. Donc, des faiblesses, ils en ont à exploiter. Maintenant, seront-elles suffisantes pour pouvoir aller faire un résultat? Ça, c'est un grand point d'interrogation, et je passe la main à mon ami Jonathan qui va me déglinguer. Non, mais pas mal, parce que concis, clair, précis, honnêtement, j'espère que ça sera aussi le cas tout au long de la semaine. Vous, au commentaire, mon cher Alex. Jonathan, soyez aussi bon que Alex Teclac. Ouais, pour cette Ligue des Champions, j'ai le mérite de la cohérence. Ça va finir par passer, hein, comme un dribble d'Alex Teclac ou pas. L'année du PSG, elle va bien finir par arriver. Après, est-ce que c'est l'année ou jamais du PSG? Je sais pas, mais c'est l'année ou jamais de ce PSG version 1.
Mbappé, parce qu'après, il sera peut-être trop tard. Au PSG, on parle souvent d'Mbappé, ce qui est logique vu que c'est la star, mais devant, on a recruté Dembélé, Colomouani, Ramos, qui est un peu en difficulté, mais quand même, ça promet. Et le milieu prend forme aussi. Alex parlait du match contre Nice. Il n'y avait pas Ugarte et on a vu toute son importance. Plus personne en France se demande pourquoi le PSG est allé chercher 60 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire, au Sporting Lisbonne. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Warren Zahir Emery. Ça, c'est une bonne tête de révélation, déjà capitaine des espoirs, doublement surclassé. Et derrière, il y a Skriniar, il y a Lucas Hernandez, des vrais défenseurs, des durs. Et avec Paris, on évoque souvent tous les noms qu'il faut mettre en musique. Et là, on a un chef d'orchestre qui s'appelle Luis Enrique, qui connaît l'hymne de la Ligue des Champions et qui sait comment aller au bout. Alors pourquoi pas, surtout que même Thomas Châtel le dit, l'écrit dans la meilleure chronique de sa carrière, le PSG a tous les ingrédients cette année. Oui, le PSG qui est aussi le favori de Thomas Châtel. Il comme a quoi. Déjà annoncé, voilà quelqu'un qui prend des risques aussi. Ben, finalement, nos deux consultants dans le Champions Club prennent des risques, c'est très bien. Ainsi, ah, bon Alexis, il faut siffler maintenant, hein, la fin de la partie et nous donner le nom du vainqueur. Match nul. Ouais, il faut se mouiller, Donc il y a vraiment, un partage. Un partage vraiment donc, sympa, Alexis. Tu envisages un partage de demain donc, entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. Ouais. Je ne vois pas un 0-0 parce qu'on connaît les qualités offensives des deux équipes. On aura quand même un trio Dembélé, Colomouani, Mbappé pour la première fois ensemble au coup d'envoi. Donc je vois 2-2 partout minimum. Allez, parfait. Nous, on est preneurs. En tout cas, merci, Alexis. On se retrouve tout au long de la saison, bien entendu. On aura un œil évidemment particulièrement attentif aussi sur la rencontre entre le Bayern Munich et Man U. Ça sera pour mercredi. Ciao, Alexis. Salut. Et bonne semaine de Ligue des Champions. Comme chaque année, on termine en beauté avec une chouette histoire. Une chouette histoire qui... Et la belle histoire, bien entendu. Et la belle histoire, elle est signée Jonathan Lange. Ouais, on va parler de Facundo Medina, le défenseur des 100 et or, qui vivait dans un quartier où le sang est souvent versé parce qu'on ne roule pas sur l'or. Rio à ses favelas. Buenos Aires, c'est Villa Miseras. Pas besoin d'avoir fait espagnol première langue pour comprendre le contexte. Medina, lui, vient de Villa Fiorito, comme un certain Diego. Ce Diego Maradona qu'il a tatoué sur sa cuisse. Sur un mollet, Loche, sur l'autre, Carlos Gradel, figure de ce tango qu'Alex Teclac s'est si bien lancé et qui était l'idole de son grand-père qu'il ne veut pas oublier. Parce que Medina, c'est une histoire de famille et c'est une histoire de fou. Ses trois oncles étaient doués balle au pied, sauf que la drogue les a rattrapés, mais lui, elle ne l'aura pas. Le foot, pourtant, au début, il ne veut pas y aller. Il en pleure et c'est même sa tante qui l'emmène au Fomento 9 de Julio de 1816 parce que sa maman n'y arrive pas. Et Tata, elle a bien fait. Le gamin, il tape dans l'œil de Boca Junior, sauf que lui, il veut pas y aller. Un caprice de gamin ? Non, c'est l'affirmation de son identité parce qu'il est supporter de River. Et il va à River faire une détection sans invitation. Il est renvoyé chez lui parce qu'il n'a pas de certificat médical. Il y retourne avec tous les papiers. Bingo. Il fait d'abord les allers-retours à l'autre bout de la capitale avec ses risques, ses périls, ses vols en série, jusqu'à intégrer à 12 ans l'académie à la demande de sa mère. Lui l'a dit dans l'équipe l'an dernier, River m'a sorti du bidonville parce que Facundo a été un cartonnero. C'est un de ces gamins qui fait les poubelles, façon tri sélectif, pas pour recycler mais pour revendre. Récolte le soir, tri le matin, revente le midi, pour trois fois rien. À River, lui qui ne mangeait qu'une fois par jour découvre quatre repas quotidiens. Il fait ses débuts contre Boca, forcément, mais Marcello Gallardo lui fait comprendre qu'il ne jouera pas, ou peu. On est en 2018, Medina se sert de Talleres comme d'un tremplin et Lens va le chercher en 2020 pour un peu d'or, 3,5 millions d'euros et de sang, chaud, forcément. Ça plaît à Bollard parce que Medina rime avec combat. Dans le Nord, il prend le 14, le numéro fétiche des ultras de River, le jour de naissance de sa maman. Et le gaucher s'impose, il en impose. Et voilà maintenant que le DJ du vestiaire est devenu international argentin. Il est prêt pour découvrir la Ligue des Champions. Facundo à l'écrou, Medina a prêt à faire des dégâts. Joli, franchement, c'est du haut niveau pour lancer cette saison 2023-2024. Dans la foulée, un petit quiz. Forcément, je vais vous rappeler le principe de ce quiz qui est assez simple. Je vous donne. Le principe, c'est qu'à l'expert, plusieurs coéquipiers qui ont joué avec un joueur dont il faut trouver l'identité. Un exemple qui ne compte pas, si je vous dis Steve Dugardin, Marcin Zevlakov, c'est Franck. Moi. Voilà, pour une fois, il a une bonne réponse. Okay. Quoi, comme ça, il est lancé. Plus sérieusement, Ivan Cordoba, Esteban Cambiaso, Olivier Dacour, Gabi Moudingaï, Marco Materazzi. On cherche un défenseur argentin. Oui, l'Inter, forcément. Défenseur argentin, Inter Milan. Zanetti. Voilà, ouais. Merci, 1-0. Thomas Vermaelen, Lionel Messi, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Dani Alves. Défenseur et milieu argentin. Oui, je le vois, il n'a plus beaucoup de cheveux. Il n'avait plus. Au milieu, c'était plus à Liverpool. Si, je le vois. Je le même prénom. Le bout de la langue. Javier Mascherano. Voilà, bien joué. 2-0. Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany,
Eliakim Mangala, Sergio Aguero. Il a joué à Manchester City longtemps. Oui. Il formait une charnière centrale de vieux. De Michaelis. Avec Yann Vertonghen à Benfica. Ah non, pas de Michaelis. Non. Avec Yann. Ah oui, le petit mais très fort de la tête. Oui. Nicolas. Otamendi. Ah, ouais. C'est bien. Encore une passe décisive, c'est bien. Ouais. Tu sais faire autre chose que des tacles. Ouais, en fait, à 3-0, est-ce qu'on continue ou... Oui, pour l'humilier jusqu'au bout. Ouais. Okay, bah, enfin, les passes décisives, elles comptent pas. Non, pas avec toi. Gabi Mudingai, encore. Javier Zanetti, Esteban Cambiaso, Julio César et Francesco Totti pour la touche romaine dans son parcours qui s'est fait en Italie. Défenseur aussi ? Défenseur aussi, on n'a que des défenseurs argentins, si jamais tu n'as pas encore compris le concept. T'as toujours pas compris le argentin, concept. Oui, mais défenseur, je n'avais pas capté. Donc, je te laisse ta réponse. Mudingai, Zanetti, Cambiaso, Julio César, Totti. Aucune idée. Rome, attends, un grand là cette fois-ci. Alors, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Un Brésil ou Argentin. Je ne sais pas. Mais non, pas de Brésil ou Argentin, un Argentin. Ouais. Aucune idée. Mathieu, un défenseur de la Rome. Un défenseur de la Rome. Solide. Ah, Walter Samuel. Oh, il est bon. Oh, honnêtement, ça vaut 2 points. Ça vaut 2 points. Tu l'avais pas, en fait. Tu reviens dans le parcours. Mais tu l'avais pas du tout, non. Walter Samuel. C'est 3-2. Gaucher. Ouais, 3-2, hein. Tu peux égaliser. Ouais. Daniel Van Buyten, Jason Denayer, Dedric Boyata, Thibaut Courtois, Vincent Kompany. Il a joué au Bayern, Manchester City. Ah, Non. Malaga. J'ai rien cité son nom. Ouais. J'ai cité son nom, c'est égalisé, c'est le moment. À Malaga, au moment de la grande époque avec. Avec Isco notamment. Ça saurait si t'écoutais. Dire son nom, Pellegrini plutôt. Je viens de citer son nom. Je ne sais pas. Non, ça prouve que tu écoutes vraiment pas. De Michelis, 4-2. Non, mais moi j'ai dû me lever à 3h du matin aujourd'hui, voilà. Donc je n'ai pas les idées claires. Pour préparer le Champions Club. Exactement. Et aller faire du vélo. Ah, mais oui, à la lampe torche. Bon, en tout cas, je pense que pour une première, c'était plutôt pas mal. On sera encore meilleur la prochaine fois. Oui, il y aura ta machette à la place. Il est bon, Thomas, tout ça. Ou... Meilleur que toi, en tout cas. Enfin, c'est pas difficile, oui. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, les gars. On va assister à une belle semaine. J'en suis convaincu. On croise les doigts vraiment pour l'Antwerp, et puis on est certain, quoi qu'il arrive, d'assister à un très très beau spectacle mardi et mercredi, le multilive 20h15. Et puis, vous n'oubliez pas non plus flashback, le retour sur tout ce qui se passe sur le terrain, mais surtout dans les coulisses, avec Alex Teclac. Vous saurez tout ce qui se passe lorsqu'il va à Barcelone. Ça vaudra la peine d'être vécu, donc sur les réseaux sociaux de Pix Plus Sport à partir de jeudi. Excellente semaine à vous et à bientôt dans un nouveau numéro du Champions Club. C'est pour dans 15 jours. Ciao, ciao.